Vous allez donc qu'il y a breaking news des oreilles internet à partir du Canada na www.sokiki.tv et puis vous allez donc le website na biso www.sentinelrdcongo.com. Vous allez en direct qu'il y a mon allié Manalité, mon vrai tronçon, le pasteur de la diaspora, un révolutionnaire, un nationaliste, un pasteur à la réveil patriotique, un résistant, qui n'y a pas de la vie, la poésie là, qui a Congo. Nous avons eu le Sénabana Congo, tout ça a été tout ça a été moqué, tout ça a été bon à Rubunda pour la Congo. Du bout du Congo, merci à la moto moko, merci pour l'appel, merci pour le conseil. Merci pour la news sur vos sala. Merci pour la poésie dans l'ensemble qui toque du bout du Congo, Tia Congo, tout le monde. Merci pour la bino sur vos benga, paix, la fidélité, la bino, la conseil, la kosunga news sur les autres camarades. Pour moi, bien que je réponde à chaque email à Moutou, je réponde à chaque message à Moutou na Facebook, je réponde à Moutou news surtout Oyo à Texanga, sur les positifs. Si vous voulez répondre, c'est-à-dire, ils ont non comment, ils ont libre à Olinga Toko Boyanga, mais bateau bazo linganga baza ebele, bateau bazo linga ba ininga ba amuke. Alors, ceux qui bobo inga, ils ont droit na bino. Alors, et là, vous avez un plaisir pour continuer à kolandanga, pour kola bazo landanga, calamité pour région d'enga. Merci mingi ba sango toza nango a batinde libiso ya liboso balobi ya titi prêt à regagner Kinshasa. Nous avons un côté qui nous a fait un peu de temps. Il y a Titi qui regagnera Kinshasa en 2015. Absence à Titi et Salimoua Makele le Mingi. Alors, Batebele, ce qu'on a IDPS et puis Kinshasa, Bazo Zelae, tu évites Badon et Nina Sikapoyan en haut parce que tu sais qu'il est jusque-là, Azali opposant talisman au Congolais à Tikalanae. Est-ce qu'Azala traite? Est-ce qu'Azala ka pour le Congo? Makambo organisation na Kinshasa ekolaxation aza très très tôt azalaka po na Congo. Soka azalaka po na Congo, azali mandela na biso carte a souk ali ni élection ni dialogue, soulèvement populaire tout boto la pouvoir, place wana arotika na vivant na mitema ba congolais nyoso. Mais soki azali très très akokende ko participer na ba dialogue, akokende ko kotsa mwana na ye na 1 plus 4 parce que kanambe azali sur a boy kokende na ba kolongwa alingatika la parce que mission na bango ezali ba bebisa ba nyokola ba salame nzambe na biso a za kote na biso. Alors ba tindeli na so message mususu awa na moni yango balobi mouvement inhabituel na PPRD balobi a tout temps yango balobi nini parce que ba information ezali oyo ezali a la ligne à la une, biso to tangi yango te expliquer bino makambo yo leka. Mouvement inhabituel na i na nini, balobi ils ne savent pas seulement faire du mal aux opposants, mais aussi à leur propre cadre. Ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire mardi 16 2015, au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie montre non comment ces partis phares de la majorité présidentielle a entretenu des serpents qui, au retour, commencent à mordre dans leur camp. Même le très célèbre général Kanyama, commandant de la police nationale de ville de Kinshasa, n'a pas été en mesure d'arrêter les mouvements des jeunes de PPRD armés de gourdins et de cocktails Molotov. Ils avancent qu'ils ont été trahis par l'ex-secrétaire général du parti, du peuple par la reconstruction et la démocratie, c'est-à-dire Évariste Mouchab. Ce dernier avait promis à ses désœuvrés qu'une fois au pouvoir, ils allaient les casser, mais quand il leur
là, quand ils ont gagné les élections, tout et tout, ces gens n'ont pas été payés depuis les élections de 2016, les élections de 2006, les élections de 2011. C'est-à-dire, ma gêne a peu perdu, ma kita qui kuna na bureau na bango, pour ça la désordre. C'est-à-dire que le malheur ne vient jamais seul. Côté mes élections aussi matin, côté yo, ma fausse commune, faut ma timola, Kabila aux abois. Alors, ma gêne a peu perdu, ma tomboki, ma lobby, ma kéni, pour ça la bombe na bango, parce qu'elle a peu perdu, ma zana ma serpent, ou ma mordre même, ma gêne cadre na bango. Alors, bah tu as pu perdre bah qui t'aigne na bala na ba bureau na bango pour réclamer bah bongo na bango oyo bah ça là bah foutaté t'as la partie mobimba ils ont qu'on même pas pour soit en charge jeunesse na bango or jeunesse ils allent bah toyo bah quoi pour remplacer bah on le dos ceux qui montent soit soit la jeunesse c'est-à-dire à ça prêt à disparaître pour bah éviter que pouvoir na bango et comme une asuka tu ressens les langues ils allent kaka bah message aujourd'hui. Alors, quand l'IDPS conscient crache sur les consultations au Palais des Nations. Alors, Awa, Moutazo Koma, M. Freddy Pindi, l'ex-président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, actuellement secrétaire adjoint à la mobilisation, membre porte-parole de la CENI d'appui de la présidence du parti, Akize Kanambe, fait mandat plutôt de tenter d'aggraver la crise que de résoudre la crise. Donc, monsieur Oyo, ex-président à partir de l'OAS Azali, ex-président de la Ligue des jeunes, Azali Bongo, na siège Kuna à lobby que, Kanambe, ba démarche nous sommes ça là, et ça te kazoluka solution, mais kazoluka aggraver situation, parce que ba yebi bien que, problème à Congo, l'ennemi du Congo, et ça Kanambe. Alors, sur la situation, et si là, il y a le moyen de pouvoir, il y a le comité dans ce pays. Ce qui est bon, c'est que la manœuvre de notre situation, ils allaient aggraver la situation, ils ont bien été pour nous. Alors, et là, pour aggraver, tout ça, tout ça, s'attarder dans le Awa, ils allaient, RDC, pas de vote le 25 octobre 2015. C'est-à-dire, ceux qui n'ont RDC, le 25 octobre 2015, va voter. Échanger ma kambou ebele et côté si malamo au glissement à condition babo ya ba vote au nyonso ya ba député ya ba maire ya ba parlementaire babanda directement na élection présidentielle nde ko changer on a ngonga oyo Kanambe na gouvernement na EP balingi kaka vote banda zela na tanga comme ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour mona ndenga nini bato baza mayele muke. Bama ele mouke, le quoi bama ele mouke, balaxi bizale na bango, bisofito la sabango ke to timba ko le kabango, to ke de kaka na soulèvement populaire, c'est-à-dire dialogue te nini te, lobi na bisagi bino, to zan exemple la mounen na Rolanda, ezali ya moule le mai, moule le basimba, bango, ba resisa ki te po ba, sansa ki bo koko, na ba rus, me bisoto sansa nzambe na communauté internationale, to so la bango, to sa la dialogue, et vous avez mal à vous pour récupérer pour un absolu nakimia. Alors, avant nous autres de Kotanga, et puis nous avons expliqué dans l'ingala, la décision des députés nationaux de renvoyer au gouvernement son projet de loi portant répartition des sièges des circonscriptions électorales au terme de la plénière du samedi 13 juin 2014 à l'Assemblée nationale va être lourde de conséquences. La première est qu'il est pratiquement impossible d'organiser le 25 octobre les élections des députés provinciaux, des conseillers municipaux et des secteurs chefferies. La seconde est que les votes des sénateurs ne pourraient avoir lieu que le 17 janvier 2016. Car ceux-ci ont pour électeurs les députés provinciaux et même nos élus à la date du 25 octobre 2015. C'est-à-dire, ceux qui vont voter, les conseillers municipaux, va voter député provincial le 25 octobre 2015 moyen peut voter à sénateur et à les athées. Troisièmement, et que les conseillers urbains, les bourgmestres et chefs de secteur ne pourront être votés que le 20 janvier 2016 faute d'électorat à constituer par les conseillers principaux municipaux par les deux premières catégories par les conseillers secrétaires secteur par la troisième,
Les quatrièmes conséquences est que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ne pourront se tenir le 31 janvier 2016. C'est-à-dire, ma solange n'est au Kenya. Ceux qui va au va voter va voter va au peu moins va voter va voter. Élection à Bablana les voter. Élection et il y a va provincial aux alatés. Comme on peut les constater, les renvois à la session de septembre du projet de loi portant répartition des sièges et des circonscriptions électorales va entraîner l'implosion pure et simple du calendrier électoral de la CENI. Commission électorale nationale indépendante, dans son volet réservé aux élections législatives provinciales, sénatoriales, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces urbaines, municipales et locales. En effet, selon le chronogramme annoncé le 12 février 2015, cette institution d'appui à la démocratie aurait déjà ouvert à compter du 26 mai les bureaux de réception et traitement des dossiers des candidats conseillers des communes et des secteurs chefferie tout. C'est-à-dire, Nakata Masolo Oyo et Zola Tsake risque y a glissement des élections présidentielles et législatives. Le chambordement, quand c'est inévitable du calendrier électoral avec des retards qui pourraient s'échelonner sur 2-3 mois, selon plus, sinon plus, pourrait provoquer, si l'on n'y prend pas garde, les glissements automatiques des élections présidentielles et législatives. L'unique alternative qui s'offre à la CENI pour ne pas bousculer ces deux élections verrouées et par les législateurs et les maintenir de la date du 27 novembre 2016, c'est de renvoyer à 2017 ou 2018 les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales, locales, non contraignant consultation. Bref, la thèse défendue par nombre d'acteurs de l'opposition et de plusieurs sensibilités de la société civile, à savoir les reports de ces paquets de scrutins au-delà de 2016 pourraient tenir la route. C'est du reste le vœu du parlementaire de la RDC qui ne cesse d'insister sur le respect strict de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales. À leurs yeux, les scrutins non pas prioritaires, députés, provinciaux, conseillers des secteurs, des communes, des villes, sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, mairies et mairies adjointes pourraient attendre, ce qui n'est pas l'avis des gouvernements. C'est-à-dire, tout le monde a vote est très important, ils ont voté le président de la République. Il y a député, il y a maire, il y a bourgmestre, il y a gouverneur, et c'est là. Alors, mes gouvernements, ils ont l'ingaté et l'ingikaka, option wana et votine d'abord, on va glisser pour être bac et d'été dans l'élection il y a présidentielle en 2016. Alors, ils ont sait maintenant que les Comoko, Bisso Bakongolais, tout ça la nini, tout Téléma, Tobi Malibanda, tout ça là, on va bien dans un soulèvement populaire ou rébellion, n'est moulele à Salaki pour Nako Mate. Oui, il va bien dire néocolonialisme. Néocolonialisme, c'est-à-dire Mundele, Azoya Souko dirigeait, Mundele, Azoya Souté, Mundele Abatami, Azuba homme fort, parce que Obama Lobaki, il veut qu'en Afrique, que nous ayons des institutions fortes, mais pas des hommes forts. Mais hélas, en Afrique, tout ça n'a pas homme fort, mais tout ça n'a pas institution forte. Sur le Talibien, au moins, il y a pays Afrique et tout, bah papa, bah Koufi, bah n'a pas besoin d'avoir le pouvoir. Et pourtant, ils ont un royaume, mais la république démocratique. Donc il n'y a jamais eu de démocratie là-bas, parce que ce qui est démocratie, Ali, moi, dans mon bout, à courir comme président, moi, dans Bongo, à courir comme président, moi, dans Sassoua, comme président, moi, dans Kabila, comme président. Kabila, il y a voté, il y a un coup d'État, moi, dans le Oyo, adoptif, abominé, à ce pouvoir, c'est-à-dire, il n'y a jamais eu de démocratie. Et c'est que les gens qui ont été en train de se soit démocratie et alors, tous les gens qui ont été en train de se faire, dans la RDC, Parc national de Virunga, Nouvel Eldorado pétrolier. Parc national de Virunga, dans l'Est du Congo, est comme une Nouvel Eldorado pétrolier parce que Bazo Boma, Bazo Timola, Bazo Boma, les villageois, les villageois, surtout, et zo kende malamu te total vital matumona oyo lelo
à Tindelina Soubilo Rebele, à l'opposition au secours de Kabila qui veut chavirer, du bateau, du Titanic Kabila qui veut chavirer. Opposition Nini Oyo, et les autres qui vont soutenir Kabila na Titanic ou Nico Chavire. Na ligne na ben d'abino matoy, ah, bandeko babolimbo, bandeko bozola nangaye, bana Congo, ba intellectuel, bateau ou babengi Titanic, sobo koti yango, oza lozaki na première classe, oza lozaki na classe économique, eza lozalaki na se yaba machine, moutumoko abika raza, te po Titanic ezinda. Alors, bateau le Titanic, n'est vital, matumon na Londres, qui dit un message, oh, malobi bateau en haut, ils ont zin mais moutazo de nos secourir en haut, ils ont en haut, bah, congolais, y opposition, oh, bah, zola na kanambe. Ponani, oh, bah, zola na waka gizinige, vital, ponani, parce que vital, aza pion à Rwanda, vital, na Herman Cohen, na ba Clinton, bah, ça, bah, ennemi à Congo, nangongo, tout le monde déjà, moi, si à Clinton, Hillary Clinton a opposé candidature pour comme le prochain président des États-Unis. Et quand il Simba Abima, premier moi, si comme président des États-Unis, mais vous allez malheur pour la Congo, pour la Nîmes. Moi, si on a l'air, Azoya, comme président des États-Unis, Azoya, quoi, chevet, ma cambo, moubali, na yena, babanani, babanani, déjà, le président des États-Unis, ou ma prédécesseur qui est, babanani, destruction à Congo, au Kabo, la Congo. Mais l'autre, c'est ma lame pour la vie, nazo ko répéter pe nazo tripéter nazo quadrépéter et la que Congo ezali mboka ya ba promesse ya Nzambe et Congo selon parole ya prophète naye si Simon Kimbangu pe moko ya prophète naye ale moloto balobi Congo Jésus-Christ azali le roi du Congo Jésus-Christ azali le roi du Congo donc biso futo telemela makambo nyo sotu ezo le kawana oyo tozi ba message oyo zelata la susu Vidal atindi susu nini poto kota na ba message tozwaki balobi awa balobi l'imposteur kanambe félicitant sa milice qui avait tué Floribert Chiyoa et Fidel Bazama c'est même milice ya bakatier c'est même milice ya batomakasi oyo azwa baye ko brutaliser jeunesse ya PPRD tant que baye ko revendiquer ba droit na bango c'est-à-dire premier coulounaire ya mboka za yemo kanambe pe atindi ba kuluna ba agresser susu ba jeunesse na bango merci Vidal na masolo kitoko zotinda na ta la susu message ni le Vidal atindi là balobi Kalev Mutombe chef ya ANR a raté mutakalisation na kati ya Bruxelles ba attaquer parce que ba police belge ba yaki ebele Kalev Muto oyo azali le diable en personne oyo abomaki batu le 19 le 20 le 21 oyo azomi mona lokola ye katumba mwa ke le nouveau katumba mwa ke auti kobika na Bruxelles kuna ba combattant ba récupérer ki ye mais azalaki mayele mingi azalaki entouré na ba police belge ba raté ye mais soit prochainement ba kozanga na été. Donc, Oyo, Biloko, Oyo, Vital, Aoutiko Tinda, Tinda Lissou Balobi, débat sur la rumeur de corruption de Tshisekedi, le fils par le père. Donc, Owana Ezaki, ba message, Oyo, ba correspondant dans le Tinda Lissou, message à Mounen et Akissi, ba Toazo Banga, descente ya ka Tshisekedi, le père, na Mboka, na Congo, ba Toazo Banga, ba Zolenda, mais ekozala malamu soki akwaporter eloko moko ya sika ekosunga biso makasi alors tozotanga ba message mususu oyo tozwaki awa tobani na message ya makasi ali a balobi l'église protestante de Bruxelles et tiki ba homosexuel ezo senga ba pasteur homosexuel ba pasteur wana bake ne ko rejoindre bango donc bomoni ki église ya Yesu echuete. Mais l'église dite de réveil, où ils ont l'air de se battre pour nous, il y a un mot à l'élo, nous avons d'accord pour que nous avons dit que nous avons dit pour ça. Parce que la Bible, dans 1 Corinthiens 6, ils ont dit que homosexuel, ba PD, ba Numba, ba Yvonne, ba Kokota, ba Kozalikolote. Alors, c'est étonnant, tout le monde a une église qui se dit église protestante. Bon, l'église, ça te évite ce qui va protester, n'a force à protester.
ba protester na ve parole à Nzambe ba bibi benimi à Nzambe ba komi lelo ko encadrer ba pédé na kati ya église or église ndefo et pekisa et délivré ba to bazana misala mabe alors eza mawa mingi na makambuzo le kana église protestante pe église ya lelo na se ya mabele o Satan a koti na kati tozali bongo na breaking news. Pourquoi basi basambelaka oyo mingi bazosambela mikolo bakoma kolinga ba pasteur na bango mingi koleka mibali na bango oyo ezali ndeko moko atuni question je crois réponse na kopesa yo na souk émission envoûté par les sectes appelées église basi wana bakoma kobima na ba pasteur satanique bazu esprit à Jezabel ba botoli autorité likolo ya mibali pe ba situation ya banda kuna bango ekomi pire. Voilà la réponse. Kotia tioko ezako corriger Nzambe, ba soi disant ba pasteur, ba o il fallait ba te ya bosolo, bakanga monoko, ba koma kufungola monoko kaka na kosenga mbongo to na ko linga basi ya bato po ba ngute bango. Alors que lelo oyo tozomona ndenge nini bato ba bazo no sambela, bazo forcer kotia tioko, bazo zo ba mesh oyo ba souki empreinte ya minele ou bien ya ba oye outi na ba maison ya ba diebal ko tiana mutu et lelo basi boni baza envoûté à travers ba souki wana lelo basi boni bazola la bandoto bien te likola ba souki wana lelo basi boni vi na bango bebi likola ba souki wana lelo satan na boni akoti na kati ba vie ya basi wana omuna mwasi alubi asambe la katala manzaka milaye likola satana akotia raboté exagéré. Ba misusu le fer kotia tioko et comme ça bango vert wana kutubia ko bimane na moy mais ba o misusu et comme ça bango noir lokola kake ba tia ba fond de teint ba comme lokola ba zebola ba bimana suna moy te ba ko bimana butu tout simplement parce que ba ngai ko corriger Nzambe. Nzambe azo souverain, Nzambe azali Nzambe asali o moindo profite apesio li bandine tinga ni mango mais yo ko lokoko ndo sala ba plante ko lokoko corriger Nzambe ko lokoko sala boye ezali péché ezali kolatsake bozali bato ya mosuni bozali bato bozali libanda ya parole ya Nzambe yango wana omoni ezo sala ma ndenge wana alors eza ma mingi ba pasteur ole bate ya vérité ba kanga monoko ba kimaka biloko wana balinga so lo bate yango lelo tozomona batu oyo ba chaki choko ba msu ba komi bleu ba msu ba komi vert ba msu ba komi noir ba msu su kutuna moyi mwa bi masu ezate parce que nzoto na bango esi e baby donc eza mawamini kala lelo basi mingi nzoto e baby elongi eziki face komi migugu lokola ya kolingaka dikolo ya kolinga ko corriger Nzambe kolula pe ezo moko ya ba 10 commandements kolula te ko copier te ezali moko ya ba 10 commandements Nzambe alobi ko copier te ko lula te alors bozo salam commandement mususu ezali pe ko bakisa choko te po ezali mabe bato ebele makale komi elongi komi makala esiki batie ba fond de teint ti babata makaba koma ko bimaka na butu alors Grande Bretagne mboka o nga na ali deuxième mboka nanga après le Congo Grande Bretagne za deuxième pays nanga pays d'adoption Nangai mboko ya mbingai alors ezali ko fêter actuellement une en grande pompe les 800 ans de la signature de grandes chartes test fondateur du droit anglais qui permet aux anglais de faire partie des rares états dans le monde à ne pas avoir de constitution c'est là à la Magna Carta donc c'est à la Magna Carta que l'on doit notamment l'introduction de l'habeas corpus, cette règle fondamentale du droit anglo-saxon qui interdit tout emprisonnement sans jugement. Cette grande charte a été accordée le 15 juin 1215, donc le 15 juin 1215, par le roi d'Angleterre, qui n'est autre que Jean sans terre, qui sont là, c'est des... Parce que les barons anglais qui en avons marre, de leur souverain qui leur faisait subir entrer qui leur faisait subir des menaces des maltraitements tout et tout alors bah baron anglais bah kota qui na révolte yamona zoba pour na rozoa droit na yo il faut copier bah baron anglais bah kota qui na révolte
Jean Santer azalaki roi, mazaki très méchant. Azalaki ko pesa ba droit ba touté. Ba baron ba se révolta en Angleterre, botanga ngo ezali. Beta kaka tené na Google beta Jean Santer azali roi anglais. Alors azali moko oyo boye ma pe na film ya Robin Dubois, ya lisola le Robin Dubois. Alors ba baron na ye ba se révolté. Ba menacer même ba bengané na pouvoir. Ba sali nyoso tu wana. Alors va rentrer en récolte, menacer directement le pouvoir du roi. Le roi anglais à l'époque, le roi anglais de l'époque s'appelait Jean Santer. Yes, Jean Santer de Robin Dubois. C'est lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Alors, Jean Santer, à Salaginini, Jean Santer a signé une loi que Bakouli Kotia Moutouna Bolo côté, ce qui va juger et noter. Alors, le loi, loi moi c'est fait ça il n'a pas tenu sur tout ni ba baron ni ba anglais ni nyonso mais et profita na mutu nyonso le loi ba te belé ba landango ba koki ko gendo tia mutu na boloko te soki bo juger été awa na mboka oyo avant ba tindi ko na boloko il faut juger ayo kayo soki ba moni makambo yo lobi ezala ona tina te ba kotika yo. Mais na mboka na biso balobi eza Congo démocratique ezali mboka ezala démocratie kuna tozana bato bazokota na boloko pona badwa na bango et loko zokamusa biso ba vrai congolais bazali na boloko bato lokola ba chebewa bato lokola ba bazana bato lokola ba tatwa de l'homme baza ebele o bakangami baza ba innocent et na lo ba chebewa kutu bato lokola ba dio minongala chebewa ba bomaya ya kota me boloko te bolimsanga alors mais ba M23 ba Rwandais ba oyo ba bomi ba criminel ba aminisye bango ba pesi bango ba grade ba sali bango na liberté et pourtant bazala ki bato fou bazana boloko alors eloko ni to ko sala na na émission na breaking news na ka ko pesa ba nouvelle pe na ka ko lamusa peuple po ba bunda po na ba droit na bango eloko ni to ko sala et la kisi biso ba congolais isengeli na biso to bunda po na droit na biso po te makamwana esalama lisusu te na mboka na biso po te makamwana banyokola bandeko na biso te tala siko espace aérien ya Congo ezali contrôlé par l'ONU c'est-à-dire le Congo eza sous tutelle ya ONU mbongo nyonso ya bavio ezoleka likolo ya mboka Congo ezokena ONU mais entre temps ba onisien bayebi ke Congo eza sous occupation il y a des soldats étrangers bazakuna mais bazosala le remonte poani parce que ba politiciens congolais ba députés ba sénateurs ba kangi munoko bazolo beloko mo te likolo ba futi bango mbongo ya mwana zo mona kanamba zo sakana na bango ya mwana zo mona makambo wana nyo sotwe zo kenene mwana mais cour pénale international azo kotidie par rapport ya comportement ba congolais ndeni ba ko sala pona ko bengana ba tu oyo bazo tia désordre na Congo donc biso ba congolais esenge na biso to ye ba ndenge ni tokoyi kosala ndenge ba anglais basalaka révolte po ba zwa ba droit na bango révolte za malam ko bima libande za malam ko revendiquer ba droit na bino za malam me ko kanga munoko ezali tokokufa lokola bazoba ensemble ya ngwala zomona lelo oyo ba politiciens congolais basomi bango même l'église qui devait protéger azasu na likamba kolobate puisque Église a commis corrompu, Église a commis motonamisalamabe, Église a commis motomabe, Église a commis mosombi, Église a commis moto. Oya zo sali la Satan a daye, Satan a zo vanda yemoko nakati ya Église. A zo nzambe, ba koma libanda, nzambe vandi libanda zo beta nakati ya motema, tofungulaye. Donc, breaking news yangwan. Eza ko inda na peper de kin, le malheur ne vient jamais seul. Jeunesse a peu perdu, bah quoi siéger, siège a peu perdu, pour revendiquer bas salaire na bango, banda 2006, na lelo ba futamate, bah comprendre que kanambe na la naïsile a commis un souka, bah koki kokende bongote, faut bas si la na futa bas salaire na bango, bas si la la, quel soni na kati a peu perdu, quel soni parce que même mova sakani akitikuna, pour le koko calmer bango me ba boy, tala yemoko kanambe. Oyo, azali le premier colonel atindi ba kuluna ba beta batu, ba oyo bazo revendiquer ba droit na bango. Donc,
eza mawa mingi, eza mawa mingi. Makambo ezo sama na Congo, même bata pe perde baza na brite, parce que na même bango mo bata pe perde bazo ko subir violence par rapport ya ba konzi oyo ya occupation. Donc na uta koloba to sala nenge salamaki na tango ya Jean sans terre en Angleterre, ba baron, ba peuple, ba sujet, ba tomboka ki ba se révolta ki, ba linga ki même ba kende ko longola roi, roi amoni bongo, asi yo kaina bango ba signer ba décret ke bakoki ko kanga mutu te, bakoki ko tia mutu na boloko te, soki nan ba yo ki ete. Biso na Congo, droit na biso ako se révolté ali parce que kanambe, asisi ba manda na ye, oyo ata Congolais moko apesa ete, azo na minduki, abomi, a détruit, a yebi, e, azo linga kaka tika na pouvoir, do e komi devoir na biso to tomboka, to benga na ye, soki to kufa, to kufa ensemble. Alors, ezali ndenge wana, donc to comprendre. Na basango ya Congo, toyoki susu, après le Rwanda, la RDC prend des mesures pour exploiter la ressource de gaz et métal du lac Kivu en vue de développer des projets d'énergie. Donc, Rwanda déjà assez abanda ba projet na ye, na lac Kivu, na côté na ye, pe côté mousso yiba na Congo. Ce que RDC pe la mouki, elinko développer ba projet énergie na lac Kivu, parce que toza na lac Kivu, toza na gaz, métal, oyo, ezali ebele eza quantité ebele ya monde oyo tokoki ko exploiter ngo epesa la biso mama mbele ya kitoko. Alors ba bandi déjà ezan na 12 ya 12 entreprises o baza ba candidat pour na ko développer première concession de gaz méthane côté congolais, ce qui impliquerait la construction d'une centrale électronique de 20 000 mégawatts. Donc c'est ça. Na Congo, sur un total de 152 400 km², sauf 2 800 km asphaltés. Na Zongeli. Na Congo, sur un total, il y a 152 000 km², il y a route, sauf 1 800 km asphaltés. Et il y a 75 pour les Français, 75 pour les Belges. Des routes congolaises les a délabrées, impraticables, c'est-à-dire ce qu'Kanambe appelait, c'est ce que Kanambe appelle la modernité et le saint chantier. Même si on est aveugle et envoûté, Kanambe a menti aux Congolais. Où sont les autoroutes promises, les chemins de fer reliés à Kinshasa et Lebo, social, salaire et zalakate, fonctionnaires bafouta rabangote, éducation, y a malungé zaté, bah professeur, bah foutre à bangoté, bana, bah infrastructure, zaté, bana, bah vendre même na mabélé, même na ma brique, bana, bah zotan même na école oyo, ezala bah tolté, tandis que na Rwanda, bana nyon se trouve bah zana laptop ou fêlé, oyo et outi na mbongo ya Congo, na Rwanda, bah comme gobe nga la Suisse, de l'Afrique, bana bah zoké ne classe na ba bus, bana bah zoké ne classe balia kaba melakuna na ba frère ya ba congolais. Alors éducation ba bourse ya ba congolais zo profiter na ba rwandais le na ba école ba université nyonso ya monde réputé ba congolais ba zo tanga kuna, ce sont pas des congolais, ce sont des rwandais o ba pesi bango passeport congolais, ba pesi bango nationalité lokuta, ba tindiki bango ba geno tanga na ba bourse na mbongo ya Congo na place ba congolais, tandis que les congolais eux-mêmes sont voués au vagabondage. Les Congolais sont voués au vagabondage, d'autres sont dans des prisons, d'autres sont dans la rue, dans les trottoirs de la mort, et pourtant, les Congolais, il fallait pas bénéficier pour que nous tenions à l'école pour que les bourses soient les Congolais. Alors, l'énergie, l'eau potable, les Congolais n'en ont pas droit. Et ça pas si mi ko so maya malamu ba vina maya Congo oye bi mana ba robine ba tchaka ndambo a poisson pwe bo ba Congolais. Et ça li ba expertise ya bato ya régie de so bato ba loba na sala chimite na koko wako kolo ba ngote menazo rapporté oyo nga na yebi bino pe bo yebi olanda be mission wana. Électricité qui est un droit de tout citoyen du monde au Congo, les gens vivent dans le noir comme au 15e siècle. Donc na Congo, maya, ça passe.
électricité. Dans le noir, maintenant, 15e siècle, un enfant congolais, ou à Botami en 2005, Nangaba, Nakisens, ou Namikondo, ou Nabuma, a évité l'électricité, Zaninipo, ça fait plus de 8 ans, bah, côté à commune, on a tout basé dans l'électricité. Parce que ces communes, SNEL a stoppé d'alimenter l'électricité depuis plus de 8 ans. L'armée congolaise infiltrée par les génocidaires rwandais, donc, Bazali Kuna, Bazaba Rwandais, mais Baïa, Bapesa Bamou armée, Bapesa Bamou Bateni, pour pas Bamaba Congolais. Voilà pourquoi Kanambe veut rester au pouvoir pour faire du mal au Congo et aux Congolais, pour mettre le chaos à Kolongate, parce que Bissot, tout ça, il y a Yesu Christo, ou Azali, ou à Congo, Nenge, prophète Nae, Aloba. Alors, Eza, Mawaming, il peut écouter la Mawaming. Et c'est que nous avons déjà 130 ans d'esclavagisme et d'occupation étrangère dans le Congo. Nous avons un État indépendant du Congo. Donc, nous avons passé, nous avons mawa mingi, nous avons un peu de temps dans le Congo. Attention à Facebook, nous avons un lien et outil dans le Congo à M. Paul Mardochete, Aza pirate et Boke Banaï. Breaking news à l'élo. Et ça, qui est Sabino qui est Yindi, et ça, qui est Sabino qui est Futo Tomboka, Nenge Bangle, Batomboka qui, il faut battre Bimalibanda, ba politiciens congolais, ba banda, ko Bimalibanda, ko préparer pour population, pour Kanambe, Azolukasa la glissement. Kolo, Azalabino. Bye bye for now!